Tout d'abord, on prend une plaque avec quatre petits carrés où on a des drosophiles dessus. On allume la loupe binoculaire, on place la plaque ici, on règle la lumière comme on veut, on centre sur un petit carré et on règle l'écartement des loupes pour que ça s'adapte à nos yeux. Et on fait la mise au point avec la grosse molette ici. Voilà. Ensuite, avec les feutres, donc de quatre couleurs différentes, on va repérer les quatre phénotypes présents en pointant en fait les drosophiles avec les différents phénotypes. On ouvre Mesurim. Ensuite, on fait fichier, ouvrir. Donc on est dans SVT Terminal 7, on ouvre plaque drosophile. Okay. Une fois qu'on a l'image, on va dans outils, comptage, et ici on va changer le nombre puisqu'on a 4 phénotypes. On n'a pas une seule chose à compter, on en a 4. Donc on clique sur 4 et on va les nommer pour pouvoir les reconnaître. Le premier phénotype, c'est L longue corps noir, donc on va noter long noir. Le second phénotype, c'est L longue corps gris, donc on va le noter long gris. Le troisième, c'est L courte corps noir, donc on note court noir. Et le dernier, L courte corps gris. Voilà, donc on va pouvoir commencer le comptage. Donc par exemple, pour les ailes longues, le corps noir, on voit qu'on en a un ici, etc. etc. On va tous les compter. Pour le corps long, le corps gris, non, les ailes longues, le corps gris, on a celui-ci par exemple, ou encore celui-là. Pour les ailes courtes, le corps noir, on a celui-là. Et pour les ailes courtes et le corps gris, celui-là par exemple. Donc c'est comme ça qu'on effectue un comptage sur mesure. Ce qu'on va faire, c'est calculer le total de tout ça. Donc on a calculé avant et on sait que ça fait 521. Ensuite, pour faire les pourcentages, on va simplement, donc, à l'aide de la calculatrice, faire la somme de tout ça. Que l'on va divisé par le total, 521, donc ça fait 129 divisé par 521, et on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage, ce qui nous donne environ 25%. Donc on va l'écrire. On fait la même chose pour le deuxième phénotype. On fait la somme de ces quatre chiffres, ça fait 4 plus 40, 9 plus 45 plus 41 plus 33, ce qui nous fait 128, divisé par le total 521, et on multiplie par 100. Ça donne de même environ 25%. Donc on a fait les calculs pour les deux derniers phénotypes, et on obtient aussi 25% pour les deux.